Bonjour à tous, on va commencer et puis les gens nous rejoindront s'ils souhaitent se joindre à nous. Donc je suis Daphna Mouchnik, je m'improvise, je vous le dis comme ça, si vous ne me trouvez pas très bonne, vous savez pourquoi, je m'improvise animatrice de cette table ronde qui s'appelle « Vieillir mais rester chez soi ». Je vous présenterai nos intervenants dans quelques secondes, mais juste pour vous dire d'où je parle et pourquoi certainement on m'a demandé d'animer cette table ronde, c'est que j'ai créé et j'anime et je dirige un service d'aide à domicile qui a plus de 15 ans. Et moi, je suis travailleur social de formation et donc, du coup, voilà, j'ai un truc que je ne savais pas. Et donc, avant de m'intéresser à nos sujets, je travaillais pour les enfants et la jeunesse. Et donc, naïvement, il y a quelques années, je décide de créer mon service d'aide à domicile en me disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le choix des gens. Pas vouloir les maintenir à tout prix à domicile, pas les empêcher d'aller en EHPAD. Moi, ce que je veux, c'est quand les gens ont fait le choix de vouloir vieillir chez eux, et quelle que soit la maladie et le handicap et tout ça, bah, les aider, les accompagner à ce que ce soit possible. Voilà. Alors, une fois que j'avais dit ça, en fait, j'ai été rattrapée par tout un tas de difficultés liées à la réalité de notre secteur, aux victimes collatérales que sont les auxiliaires de vie, les aides à domicile, les politiques sociales qui ne sont pas réellement adaptées à nos réalités et tout ça. Et donc, du coup, en plus d'être directrice d'un service d'aide à domicile, je me suis beaucoup impliquée dans les fédérations d'employeurs. Puis après, j'ai créé un collectif parce que moi, je me disais faut qu'on soit ensemble, faut pas que ce soit que les directeurs et d'un côté les salariés. Puis je me suis mise à écrire des petits bouquins, dont le dernier que montrait Nicolas, qui essaye un peu de décoder nos réalités et de vous plonger dans notre quotidien pour que vous mesuriez, parce que parfois, on a des familles qui me disent « quand même, c'est pas très compliqué, hein, et puis il faut qu'elle soit à 9h. » Et bien, si vous plongez dans mes histoires, vous verrez que c'est quand même assez compliqué, un vrai sacerdoce en réalité, que de permettre aux gens de pouvoir rester, malgré la maladie, malgré le handicap, le plus longtemps à la maison. Voilà, pour me présenter très rapidement. Et donc, du coup, j'ai la chance de partager cette table ronde avec... alors, je vais juste... vous présenter en quelques mots, mais après je vous invite à nous en dire plus. Stéphanie Ferré, l'évêque, qui est cofondatrice de l'association Cheveux Blancs, qui ouvrira cette table ronde. Nicolas Fourreur, président de l'association Vieux et chez soi. Et là, on se connaît un peu mieux parce que tu as eu besoin, on ne va pas faire semblant de se vous voyez, hein. vous avez eu besoin que je vous mette en relation avec les personnes que nous soutenons à domicile. Et donc, c'est vrai que j'ai pu voir un peu de l'intérieur comment vous réalisiez vos travaux. Et puis, Marie Geoffroy, association d'Hold'Up. Alors, pareil, j'ai découvert Hold'Up il y a quelques années parce que vous aviez fait une immersion. C'est les vieux debout, j'adore. Et vous aviez fait une immersion, vous et vos camarades, dans les EHPAD. Vous aviez passé 24 heures, je crois, ou 48 heures, je ne sais plus, à vivre dans un EHPAD pour mesurer un peu la vie de ces vieux et vieilles. Moi, je n'osais pas dire vieux et vieilles. Vous n'y êtes pas resté. Moi, je n'osais pas dire vieux et vieilles. À chaque fois, je dis vieille dame, vieux monsieur. Mais depuis que je vous fréquente, tous là, de plus en plus, je dis vieux et vieille. Et puis, du coup, Hold'Up s'est dit, on va faire le même travail pour voir qui sont ces gens à domicile qui font appel au service d'aide à domicile. Et là aussi, je vous avais mis en relation, pas que moi, mais plein de directeurs de services d'aide à domicile avaient essayé de vous ouvrir les portes des domiciles parce que
et de faire entrer, de vous permettre d'entrer dans l'intimité des gens. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à vous donner la parole et à vous entendre sur ce sujet qui est, on le sait, les gens, pas que les vieux d'ailleurs, on a tous envie de rester chez nous, de vivre chez nous, comme on l'entend, mais voilà, comment est-ce possible? Est-ce que c'est possible? Comment on s'organise? Est-ce qu'il faut anticiper? Est-ce qu'il ne faut pas anticiper? Voilà, c'est un peu tous ces sujets qui vont être abordés en une petite heure, et je te donne la parole, Stéphanie. C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous, vraiment ravie d'être là et de faire partir de cette table ronde et de ce contre-salon où on peut dire vieux et vieille tranquillement, donc avec cette liberté de parole et cette logique de co-construction. J'ai 48 ans, je suis cofondatrice avec 17 autres citoyens et professionnel du grand âge de l'association Les Cheveux Blancs. Juste pour situer peut-être d'où je parle, comme tu l'as fait, Daphna, j'ai une double nationalité franco-espagnole. J'ai été portée par mes aînés espagnols énormément dans mon parcours de vie. J'ai navigué dans plusieurs univers professionnels, ONG, associations, PME, DRH. Et puis, à 40 ans, une évidence. Et l'évidence était que j'avais envie d'œuvrer en fait, pour la cause des vieux et des vieilles. Donc voilà, donc, ça fait 10 ans que j'y suis. Ça fait 10 ans que ça me passionne. Et depuis un an, nous avons en effet créé une association qui s'appelle donc Les Cheveux Blancs, qui est plutôt sur le territoire de Bordeaux. Avec cette idée-là, cette idée en fait un peu fondamentale, hein, de redonner de la noblesse à la vieillesse et de vraiment valoriser les besoins de lien social de nos aînés pour leur redonner une place dans la cité, donc les rendre plus visibles et également préserver leur autonomie, sachant que on part de postulats différents, hein, que l'isolement tue et précipite la perte d'autonomie, et on part également de différents constats, ou en tout cas conclusion de recherche et notamment conclusion d'études de Nicolas Fourreur sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Concrètement, on propose quoi ? On propose plusieurs choses. On propose d'abord en fait des actions citoyennes. Des actions citoyennes en fait pour vous rendre plus visible, chers vieux et chères vieilles. Et ça passe notamment en fait par des témoignages. Des témoignages dans les écoles pour justement dire à un moment donné non, tous les vieux ne sont pas en EHPAD. Non, 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 contrairement à ce qu'on pourrait croire et lire dans les médias. Ils sont bien à domicile. Ils peuvent être en effet fragilisés par les bobos de l'âge, de l'avancée en âge, mais ils sont bien là et ils font plein de choses. Par contre, il est vrai que peut-être que dans le quotidien, ce n'est pas si facile. En effet, il y a des choses qui les animent, mais il y a des choses qui sont plus difficiles quand on devient vieux. Et c'est vraiment l'idée, en fait, de partager ça avec des enfants. Donc, nous avons différentes interventions. Dans les écoles, aujourd'hui, on a souvent, en fait, des actions entre des écoles et des EHPAD. OK. Sauf que dans les EHPAD, il n'y a pas tous les vieux et que les vieux sont chez eux. Donc, voilà, ce type d'action, également des interventions dans des centres de formation pour auxiliaires de vie, où là, nous faisons témoigner, en fait, des vieilles. Alors, une vieille, notamment, en fait, qui a vraiment une représentation sur ce que peut être une femme de ménage, une auxiliaire de vie, mais qui va bien au-delà du besoin technique de nettoyer et d'enlever la poussière du buffet. Donc, c'est vraiment le rôle, en fait, d'une auxiliaire de vie dans mon quotidien. Donc, ça, c'est pour notre partie action citoyenne. On en a d'autres, on pourra y revenir. On a également, en fait, des actions d'accompagnement de personnes âgées isolées, donc fragilisées, j'insiste, hein, par l'isolement. Et l'idée, vraiment, c'est d'en finir avec la solitude. Donc, ce n'est pas tant, en fait, d'apporter du lien social ou des activités à domicile, mais c'est vraiment redonner le goût des autres à ces personnes qui sont en situation d'isolement et de fragilité et vraiment de les accompagner pour reprendre une place dans la cité. Et j'ai envie de dire participer à ces nombreuses actions collectives qui existent sur les territoires. Elles sont là. Le problème, en fait, c'est que c'est toujours un peu les mêmes personnes qui y participent et la difficulté de capter ces personnes vraiment isolées pour les faire venir et participer à ces actions. Donc, une dimension d'accompagnement, dont je l'ai dit, en fait, individuelle, et également une action d'accompagnement des professionnels, où là, l'idée est vraiment, donc en admettant une action, en fait, d'accompagner les gardiens d'immeubles, les bailleurs sociaux, en fait, pour qu'ils soient, en fait, sensibilisés au repérage de la fragilité. Oui, à un moment donné, en fait, une personne âgée, en fait, qui fait plus souvent ses courses, qui ne sort pas ses poubelles. Il peut y avoir, en fait, justement, des signaux d'alerte, de fragilité.
Et le rôle, en fait, de ces concierges ou de ces gardiens est fondamental dans ce repérage-là et dans l'orientation. Donc voilà, accompagnement des professionnels également. Voilà, il me semble, si j'ai envie d'insister sur ce côté, en fait, démarche participative et citoyenne de notre association. Notre conseil stratégique est essentiellement, en fait, regroupe en fait 8 fondateurs qui sont principalement des retraités. Et ensuite, on a un comité opérationnel qui fait partie intégrante de la gouvernance où ce sont des professionnels du grand âge, donc des personnes qui sont en exercice et qui peuvent faire en fait le retour d'expérience sur les besoins qu'ont nos aînés à domicile. Voilà. Alors, lorsqu'on avait préparé ensemble cette table ronde, Stéphanie, on s'était dit, mais qu'est-ce que vient faire ce mais dans le titre? Dans le titre de la table ronde. Alors du coup, je te... Allez, j'y vais. En effet, en fait, quand je lis le titre de l'atelier, c'est, pour reprendre, c'est vieillir, mais rester chez soi. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on oppose en fait le vieillir et le rester chez soi? C'est bien l'enjeu, en fait. C'est vieillir, ok, et de l'articuler avec le chez soi, en fait. Puisqu'on sait, en fait, que la grande majorité de nos vieux et de nos vieilles souhaitent rester chez elles. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de voir comment on articule ce vieillissement et le fait de vouloir rester chez soi. On l'a vu en fait, hein, pour répondre à ce besoin ou à ce souhait de rester chez soi, ça recouvre plusieurs enjeux. J'ai trouvé que l'intervention hier de Jérôme Gage a insisté bien en fait sur ces nombreux enjeux politiques, ces enjeux de santé publique, ces enjeux de cohésion sociale également en fait, voire ces enjeux écologiques. Mais j'avais envie en fait moi de peut-être réfléchir sur il y a, je pense en fait quand même une dimension assez normée de c'est quoi ce chez-soi en fait. Il y a quand même une représentation socioculturelle du chez-soi. Or, et on l'a vu hier encore à la participation et à la fois des coopératives d'habitants, mais également en fait des différentes initiatives d'habitat partagé, on peut être chez soi de mille et une manières. Et c'est bien là en fait que je souhaiterais en fait discuter avec vous aussi sur, il y a oui en effet une représentation socioculturelle du chez soi, mais il y a peut-être en fait une nécessité de chacun de nous, vieux, vieilles, à réfléchir sur comment je veux vivre chez moi? C'est quoi mon chez moi? Qu'est-ce qui, pour moi, en fait, me parle dans chez moi? Quel est le qualificatif? Comment j'envisage ce chez moi? Et donc là, on est plutôt sur un enjeu, en fait, j'ai envie de dire personnel, sur comment, moi, j'ai envie d'être chez moi et comment je le définis, ce chez soi? Donc ça, c'était un petit peu ma réflexion, donc de dire, il y a différentes manières d'être chez soi. Donc l'idée, en fait, qu'en étant vieux et vieille, en avançant dans l'âge, il est nécessaire de réfléchir sur le comment j'ai envie de vieillir et quelle va être la forme de mon habitat. Et puis j'ai envie de dire, la chose la plus importante, en fait, c'est ce choix. C'est ce choix de ce chez soi, en fait. Et en effet, il faut que vous en... Enfin, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a vraiment un enjeu à le dire, à le définir, et à l'imposer. Chez moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Et quand je dis imposer, c'est accepter, le choisir, et aussi peut-être l'imposer aux autres, voire à ses enfants, de dire, ben non, moi j'ai envie de vivre comme ça. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le... l'imposer à ses enfants, parce que c'est son véritable choix. Vous pouvez avoir des choix un peu différents de ce qu'ils auraient voulu, pour dire, ben non, moi j'ai envie de partir dans le sud, désolé, moi j'ai envie de vivre dans un habitat collectif, j'ai envie de m'investir, en fait, parce que chez moi, c'est comme ça que je l'envisage. Voilà, c'est pas, je le pense, c'est une véritable question de choix pour vous. Je continue, parce que là je suis partie. Hein. Écoute, t'as encore quelques minutes. Ok. Deux, trois minutes encore. Je voudrais juste revenir, en fait, on a fait des cafés échanges avec plus de 20 personnes âgées, en fait, qui vivaient à domicile, avec cette idée-là de leur demander, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour vous dans le vieillir et vivre chez soi, comme je veux? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont vos difficultés? Et dans le, j'ai envie de dire, dans les conclusions qu'on a pu en fait construire, ce qui ressort en fait, c'est que oui, en effet, en fait, avec l'avancée de l'âge, on a besoin qu'on nous facilite le quotidien. Oui, c'est vrai. Que ce soit dans des besoins techniques d'aide à la mobilité, que ce soit dans des besoins techniques d'assistance administrative, la numérisation, les nouvelles technologies. Oui, à un moment donné, on a besoin d'aide. Mais par-dessus tout, ce qui ressort, en fait, c'est de se dire, en fait, oui, on est chez soi, mais si on est chez soi, en fait, sans relation sociale, alors ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens de rester chez soi tout seul. Et donc, finalement, l'idée, ou en tout cas la conclusion fondamentale, c'était de se dire, en fait,
c'est le besoin fondamental et existentiel que l'on a en étant vieux, c'est le lien social, c'est ce goût des autres. Sinon, en fait, ben on perd, j'ai envie de dire, cet appétit, on perd ce goût des autres, et c'est ce qui est nécessaire, en fait, dans notre quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, je ne vous ai pas dit, mais je vais les laisser prendre la parole, mais pour qu'ensuite, il y ait une interaction avec la salle. Voilà, il y a ce temps de prévu, d'échange avec vous. Alors, j'ai présenté Hold Up déjà. Je vais vous laisser la parole, mais juste... insister sur le fait, une réflexion comme ça, que même si on n'est pas encore tous des vieux et des vieilles, nous sommes tous des vieux et des vieilles en devenir. Je suis une vieille en devenir. Et donc, du coup, je me disais, mais comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à faire entendre davantage la voix des vieux et des vieilles, alors même que nous nous souhaitons tous de vivre très longtemps, et donc que nous allons tous... devenir vieux et vieille, je l'espère, et qu'en tout cas, on est en devenir. Donc, ça m'encourage beaucoup de savoir que le top existe et fait entendre déjà la voix des futurs vieux que nous serons un jour. Bon, je voudrais dire quelque chose sur Hold Up. Hold Up a été créé il y a moins de 15 ans. Mais nous avons déjà pas mal d'adhérents. Et Hold Up, ça veut dire des vieux debout. Ça veut dire des vieux qui se prennent en charge et qui ne sont pas des dépendants qu'on va assister parce qu'ils ne sont plus capables ni de penser, ni de se bouger, ni rien du tout. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous fonctionnons depuis des années. Et il y a une continuité entre ce que vient de vous dire madame et ce que je vais vous dire. Mais moi, je vais me situer sur un autre plan. C'est-à-dire que nous venons de réaliser une enquête sur où les gens veulent vivre. Et nous avons interrogé, nous avons envoyé des questionnaires en ligne. Nous avons eu 1500 réponses, mais toutes n'étaient pas complètes. Alors, ce n'était pas complet simplement parce que le logiciel que nous avons utilisé avait un problème. Si vous commenciez à remplir le questionnaire, que vous vous interrompiez pour n'importe quoi, il fallait tout recommencer. Donc, mais nous avons eu 1000 questions complètement entières. Alors, nous avons appelé ça le cadre de vie pour nos vieux jours. Quel cadre de vie pour nos vieux jours? C'est-à-dire où et comment vous voulez vivre. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi on a choisi le cadre de vie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas retenu ni la notion de domicile, ni la notion de logement, parce que ça renvoyait trop sur la vie intérieure. Nous n'avons pas retenu non plus l'habitat, parce que alors là, ça nous amenait à des espaces trop grands, et nous n'avons surtout pas retenu hébergement, parce que, comme le dit le sociologue Dominique Argou, hébergement, ça vient de caserne. Donc, c'est caserne, oui. Donc, c'est significatif et symbolique quand on parle des EHPAD. Alors, la première question, évidemment, que nous avons posée, c'est où vous voulez vivre et comment vous, enfin, où vous voulez vivre. Et on a listé toute une série de choses, de situations. La première situation, c'était évidemment le domicile. La deuxième, c'était l'EHPAD. Et alors là, c'est sans surprise. 90% des gens qui nous ont répondu nous ont dit « on veut vivre à domicile » et 98% nous ont dit « on ne veut pas aller en EHPAD ». Et même, il y en a qui disaient « plutôt mourir, plutôt me suicider ». J'ai dit à ma fille que si jamais je devais aller en EHPAD, elle prenne la pilule et puis c'est terminé. Donc, il y a un rejet complet de l'EHPAD. Alors, il faut dire que l'enquête s'est déroulée au moment aussi de l'enquête de l'affaire Orpea. Mais enfin, de toute façon, ce sont des résultats qui sont conformes aux résultats nationaux. Bon. Ensuite, nous avions proposé la cohabitation.
Et là, ils ne veulent ni de la cohabitation générationnelle, ni de la cohabitation intergénérationnelle. En fait, ils veulent un logement privatif, hein, ça c'est clair. Ensuite, nous avions les résidences autonomie et les résidences services. Alors là, il y a une confusion. On ne sait pas très bien ce que c'est. Les deux sont confondus, on ne voit pas la différence. En tous les cas, ce n'est pas un enthousiasme important. Alors, la résidence autonomie, ce sont les anciens foyers logements qui relèvent du secteur médico-social, qui sont contrôlés soit par l'État, par les pouvoirs publics, soit par des associations, dans lequel vous avez une petite, un logement avec une cuisine, une salle de bain, etc. Mais vous avez des services de restauration, vous avez la possibilité d'une buanderie, enfin bon. La résidence-service, c'est complètement privatif, c'est du domaine lucratif, c'est beaucoup plus cher. Les services sont aussi... Alors j'ajoute que dans la résidence autonomie, vous avez des actions de prévention obligatoires du vieillissement. Simplement, mais je pense que ce n'est pas pour ça que les gens ne l'ont pas choisi, parce qu'ils ne le savent pas. Actuellement, les résidences-services, et Jérôme Gage a dû en parler, je suppose, sont dans un état difficile, parce qu'il y a des problèmes importants de financement. Les résidences-services sont ouvertes à tous ceux qui ont les moyens de pouvoir se les payer. Et puis ça, c'est un logement privatif. Enfin, vous vivez en résidence autonomie comme dans un logement quelconque. Si vous avez besoin d'une aide à domicile, vous vous adressez au secteur d'aide à domicile, etc., etc. Alors, nous avions encore proposé ce qu'on appelle l'EHPAD hors les murs. Alors là, les pas dans les murs, ils nous ont dit, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais entendu parler de ça. Donc, Et puis, il y avait, les nouvelles formes d'habitat, c'est-à-dire les habitats autogérés, les habitats participatifs et les béguinages. Là, ils sont restés plutôt perplexes, hein, et plutôt réticents. Plutôt, en tous les cas, prudent. Et les seuls qui ont été intéressés sont une catégorie très particulière, et ce résultat se retrouve dans d'autres recherches, qui sont un groupe de femmes jeunes retraitées, seules, vivant seules, et appartenant aux catégories moyennes supérieures. Bon. Donc, on voit bien, si vous voulez, donc rejet de l'EHPAD, volonté de rester à domicile, etc. Alors, quand on a observé ces résultats, on s'est fait un certain nombre de réflexions. La première réflexion, c'est qu'il y a un manque d'information et de précision évident. Or, l'information, elle existe. La CNAV n'arrive pas de faire de l'information. Il y a des rapports, on en est au moins une quarantaine de rapports sur toutes les situations. Mais à l'évidence, cette information n'atteint pas sa cible. Hein? Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième réflexion, c'est qu'une information, pour qu'elle atteigne cette cible, sa cible, il faut que les gens la recherchent. Or, les gens ne la recherchent pas. Ça veut dire qu'on n'anticipe pas sur ce qui va se passer plus tard. Hein? Or, l'anticipation de son vieillissement... Bon, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas... J'ai entendu il y a 3 jours dans un colloque, moi, je vis au jour le jour et c'est tout. Bon, c'est très bien. Hein? Chacun a le choix. Seulement, si on n'anticipe pas, on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir. On se trouve devant des situations d'urgence avec un tas de gens qui vous disent « Oui, mais moi, j'ai été obligée de placer ma mère en EHPAD parce que je n'avais pas le choix. »
J'avais pas le choix. Bon, si on veut le choix, il faut absolument anticiper. La deuxième chose, c'est que l'anticipation, c'est une action citoyenne. Parce que dire « je veux vivre au jour le jour », c'est très bien, c'est « mes enfants verront hein, ». On l'a eu, ça, dans l'enquête. « Mes enfants verront ». Ou « bon, écoutez, on verra, les gens s'en occuperont ». Bon. Donc, c'est une action citoyenne. Et d'autre part, personnellement, je considère que c'est pas parce qu'on... Bon, et, étant donné mon âge, ça paraît peut-être surprenant, mais c'est pas parce que j'ai cet âge-là que je n'ai pas de projet. Mais vous avez quel âge ? On ne sait pas. C'est pas son âge. 35. Ah non, 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 dites-nous. Bon, non, mais c'est pas... C'est vrai, vous anticipez, mais vous vous donnez un projet. Vous vous donnez un projet. Et ça vous donne la possibilité de demeurer acteur jusqu'au bout. Alors, j'ai encore 5 minutes. Oui. Bon. Un tout petit peu moins. Un petit peu moins. Alors, anticiper, mais anticiper quoi ? Hein ? La première... si vous voulez, nous avons eu 3 attitudes. Bon. Est-ce que vous anticipez ? Alors, vous avez les jeunes retraités... jusqu'à 70 ans à peu près, qui vous disent « Oh ben non, écoutez, moi je viens de prendre ma retraite, hein, vous me parlez de problèmes qui ne me concernent pas, je verrai plus tard. » Et même ceux qui disent s'occuper de leurs parents disent « Non, moi j'anticipe pas, mais je pense à mes parents. » Alors qu'ils sont déjà en train de s'en occuper, mais eux, pour eux, ce n'est pas le problème. Vous avez une deuxième catégorie qui sont les plus vieux. Alors, quand vous avez plus de 85 ans ou à fortiori davantage, vous ne vous dites pas... Là, on a eu la réponse, écoutez, madame, bon, à mon âge, qu'est-ce que vous voulez que j'anticipe ? La seule issue, c'est l'EHPAD. Bon, ou le cimetière, c'est tout. Bon. Et la troisième catégorie, c'est celle du centre. Et celle-là, celle du centre, entre les plus vieux et les plus jeunes, alors eux, il y a un petit groupe qui dit « Oui, moi j'ai anticipé, j'ai déjà commencé, j'ai descendu ma chambre au rez-de-chaussée, j'ai fait la douche à l'italienne, alors ça, ça a un succès énorme. Et puis... il y en a qui ont vendu la maison pour aller dans un appartement. Bon, ça c'est une petite minorité. Tous les autres vous disent, moi, j'y pense. Ah oui, j'y pense sérieusement, mais pour l'instant, c'est pas possible. Or, il faut, je vous l'ai dit, anticiper. Et anticiper quoi ? Je terminerai là-dessus. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous devez anticiper. C'est l'adaptation du logement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, moins de 10% des logements sont adaptés au vieillissement. Et cette statistique de 10%, c'était avant que le gouvernement prenne la décision de mettre une nouvelle norme qui est celle de l'isolation thermique, hein, qui va encore faire baisser le nombre d'adaptations. Donc il faut anticiper, et anticiper l'adaptation du logement, c'est pas simplement la salle de bain, c'est beaucoup de choses. Alors je vous signale qu'il existe dans tous les départements et en France, dans la région Île-de-France encore plus, vous pouvez faire appel à un ergothérapeute qui vient chez vous et qui vous dit si si votre logement est adapté, s'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et s'il n'est pas adapté, il faut envisager autre chose. Adaptable, je veux dire. Bon. Donc, il y a l'adaptation du logement, il y a un autre problème très très important. Le gouvernement dit, il faut rester à domicile, puisqu'ils ont fait la politique du virage
domiciliaire qui consiste à fermer les places en EHPAD pour vous faire rester en domicile. Et puis en plus, on est très content parce que c'est justement ce qu'on voulait, c'est rester à domicile. Donc, mais pour rester à domicile, disent les pouvoirs publics, il vous faut un aidant proche. Hein? Un aidant proche, ben, y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'aidant proche. Il y a beaucoup d'aidants susceptibles d'être proches qui ne peuvent pas. Enfin, il y a un tas de situations. Hein. Donc, se préoccuper de l'aidant, et en plus, il y a un hiatus très profond entre ce que disent les pouvoirs publics, c'est-à-dire il faut un aidant proche, et ce que disent, ce que nous ont dit les personnes âgées, c'est nous ne voulons pas peser sur nos enfants. Donc comment on fait pour résoudre cette contradiction? La troisième, le troisième élément, c'est pour vivre bien chez soi, eh ben, il faut des aides à domicile, mais là il y a des gens plus spécialisés que moi, mais vous connaissez la situation des services d'aide à domicile. Et enfin, il faut des financements. Parce que les hommes politiques n'arrêtent pas, au moment, surtout au moment des périodes électorales, de nous dire que nous sommes une des richesses de la nation. Bon, de notre côté, on nous répète que, du matin au soir, que nous sommes des nantis et que nous sommes riches. Et simplement, ce qu'on peut dire, c'est que la richesse, la vieillesse a un coût et que c'est cher. Et que donc, les financements, mais on pourra en discuter si vous voulez plus tard. Merci beaucoup. Merci Marie. Juste un petit décodage. CNAV, ça a parlé à tout le monde, Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les EHPAD hors les murs, c'est une expérimentation qui consiste à faire venir tous les soins, tout le médico-social au domicile des personnes qui en ont besoin et non plus de déplacer et d'ouvrir les EHPAD qui rayonneraient sur les quartiers dans les domiciles. Il y a des expérimentations, mais c'est complexe. Le béguinage, c'est des personnes qui viennent, des professionnels qui viennent 3 jours d'affilée pour permettre aux proches, aux aidants de souffler, de pouvoir quitter le domicile en ayant c'est pas le béguinage ? Non, c'est le baluchonnage, pardon. Alors, le béguinage, je vous laisserai le soin à Nicolas de présenter. Et voilà. Et effectivement, ça a un coût, mais je crois que le coût du domicile, du soutien à domicile, a un coût, c'est vrai. Mais je pense que c'est avant tout un investissement qui permettrait de faire bien des économies sur la santé, sur la santé non seulement des gens âgés, mais aussi de leurs proches, des professionnels qui interviennent auprès d'elles et d'eux. Enfin voilà. Et je laisse la parole tout de suite à Nicolas. Merci. Donc moi je vais vous raconter les résultats d'une étude qui a suivi. C'est pas votre qualité. J'y arrive. Hein, je vais tout vous dire. Je vais vous présenter les résultats d'une étude de 100 personnes vieilles qu'on a suivies pendant 5 ans en les voyant régulièrement. Et je vais vous dire pourquoi. Et je voulais, avant de me présenter moi, dire que j'étais porte-parole quelque part de ce que ces vieilles et vieux qui avaient en moyenne d'âge 90 ans disent, puisque moi-même je n'ai pas 90 ans et que je ne suis pas concerné directement par tout ce qu'ils nous ont raconté. Ceci étant, moi je m'appelle Nicolas Foureur, je suis médecin, je travaille au centre d'éthique clinique de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est un centre qui a été monté en 2002 par Véronique Fournier suite à la loi sur les droits des patients, où on peut être sollicité directement par les patients eux-mêmes, leurs familles ou des médecins lorsqu'une décision médicale est difficile à prendre au plan éthique. Et ça, c'est important de vous en souvenir parce que du coup, on est parti avec Véronique et quelques autres dans cette problématique de la vieillesse à partir d'une conception très médicale de la chose. Et c'est justement parce que pendant quelque temps, nous avons travaillé avec plein d'autres disciplines, des économistes, des philosophes, des sociologues, etc., que petit à petit, on s'est dit, en fait, on tourne autour du pot à l'hôpital sur toutes les questions de la médicalisation de l'âge ou de la vieillesse, mais en fait, ce n'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, ce serait d'aller directement demander aux premiers concernés ce qu'ils en pensent. Et en fait, on a fait une...
Les trains. Et en fait, même si on a commencé un peu par se tromper initialement, parce que tout ce groupe de personnes qui s'est dit bon bah il faut aller chercher la parole des premiers concernés, on s'est présenté à quelques personnes vieilles en leur disant nous on pense qu'effectivement il y a un danger avec l'âge et qu'il faut anticiper certaines choses, comme vous le disiez, et que on voudrait être là. Si vous avez besoin à un moment donné de lutter contre tout ce qui va faire que vous ne pourrez plus décider par vous-même et pour vous-même. Et notamment, on avait une grosse expérience sur les passages du domicile à l'EHPAD qui n'étaient pas désirés et où les personnes finalement étaient débordées par leur situation médicale, le fait que la famille effectivement décide pour eux, etc. etc. Et en fait, on avait ce prisme-là. Et donc, on a décidé d'aller... les quelques-uns à qui on a fait cette proposition dans l'idée que l'association Vieux et Chez Soi pourrait monter en fait des binômes comme ça de personnes qui iraient aider les uns les autres à lutter contre leur environnement pour continuer à décider de vivre chez elles. En fait, ils nous ont dit, mais vous êtes gentils, mais je n'ai pas besoin d'aide. Effectivement, pour l'instant, je n'ai aucune envie d'anticiper. Donc du coup, ça c'était le premier résultat et on s'est dit, bon bah on va s'y prendre différemment, on va aller demander ce qu'on doit faire aux personnes. Et donc on a sélectionné 100 personnes, donc je vous ai dit en fait qu'il y avait plus de 85 ans, c'est en moyenne 90 ans, un peu partout en France, principalement en Île-de-France, mais il y en a aussi en région et dans une campagne, et de niveaux socio-économiques différents. Et le critère, c'était, vous ne voulez pas aller en EHPAD, dites-nous pourquoi. Et en fait, moi-même, je suis assez à l'aise d'être porte-parole de tout ce qu'ils nous ont raconté, parce qu'ils m'ont complètement changé la façon dont j'imaginais les choses. Et en fait, ils nous ont déconstruit toutes les idées reçues qu'on avait. Donc on était partis en disant, la vieillesse, c'est, on avait appelé ça la bascule. On s'était dit, en fait, à un moment donné, on peut basculer parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on ne peut plus rester chez soi du fait de problèmes de dépendance éventuellement, ou du fait que les enfants, qui souvent habitent loin, pensent que c'est plus sécurisant d'être en EHPAD ou ailleurs. Et donc, on était parti sur ce prisme-là que, finalement, la personne vieille est vulnérable et qu'à un moment donné, ça va basculer. Alors, ils nous ont dit, premièrement... quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns nous ont dit déjà c'est pas très sympa de nous appeler vieux et vieilles. Et ce qu'ils voulaient dire par là, et ce qui rejoignait les 100 personnes pour le coup, parce que ce qui est très étonnant dans ces résultats, c'est que tous disent la même chose en fait. Et qu'ils disent ne me réduisez pas à ma vieillesse. Non, moi je suis certes, je peux pas être vieux, j'ai peut-être un âge avancé, mais ne me réduisez pas à ma vieillesse, ce n'est pas ça mon identité. Et je ne veux pas que mon identité soit réduite à la vieillesse. La deuxième chose, c'est qu'ils disent votre idée de bascule, là, on ne comprend pas parce que ça ne correspond pas à ce que je vis. Effectivement, oui, j'ai failli, là, mon fils, quand j'ai été hospitalisé, voulait absolument que j'aille en EHPAD, mais j'ai tapé du poing sur la table et puis je suis rentré chez moi. Au contraire, ce qu'on avait imaginé comme des enfants souvent un peu... qui allaient dans le sens inverse de leurs parents, ce n'est pas du tout ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que leurs enfants, ils étaient plutôt assez aidants, assez respectueux de leur choix et plutôt prêts à aider au maximum à faire qu'ils puissent rester, en l'occurrence, à domicile. Ils confirment aussi exactement que l'EHPAD, pour eux, c'est la fin. Et donc, contrairement à ce qu'on pensait, on n'a pas des noms catégoriques. Ils disent tous, en fait, des fois, si j'ai pas le choix, je risque de me retrouver à l'EHPAD. Mais auquel cas, ce sera la fin, ce sera la mort. Et puis, la chose la plus importante, parce que l'heure tourne, et si on veut un peu discuter, il faut que j'aille vite, mais le plus intéressant, c'est un autre élément quand même, puisqu'on était très lié à l'hôpital et à une structure médicale, toutes les questions qu'on leur a posées, notamment sur l'anticipation vis-à-vis de la médecine, est-ce que vous avez écrit des directives anticipées? Est-ce que vous avez une personne de confiance? Est-ce que vous avez réfléchi à est-ce que vous voulez aller à l'hôpital ou pas? Est-ce que vous allez voir le médecin, etc. Tout ça, ça ne les intéresse pas. On va dire que la médecine, on en a conclu que la médecine était une occupation
parce qu'effectivement, les gens vont voir le médecin, prennent des médicaments, etc. Mais ce n'est pas une préoccupation. En revanche, ils insistent beaucoup sur ce qui les préoccupe, c'est de pouvoir continuer à manger, marcher, voir, entendre, pour continuer à vivre comme ils l'entendent. Et pour nous, médecins, c'est quand même une grosse claque, parce que l'hôpital et la prise en charge de l'hôpital et des personnes âgées n'est pas du tout tournée prioritairement autour de ces éléments du manger, marcher, voire entendre, mais plutôt sur le traitement de plein de maladies compliquées. Pour finir, ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'on a réussi, au bout de 5 ans, à déterminer... Alors, c'est peut-être pas une bonne idée hein, de vouloir mettre les gens dans des cases, mais bon, c'est pas ça l'objet. Mais on s'est dit, bah, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que rester chez soi, c'est effectivement pas spécialement un lieu, nécessairement, mais c'est rester soi-même. Et donc, on a l'impression qu'on pourrait départager les gens entre 4 catégories, on va dire, et qui vont aller là un peu... déconstruire ou qui ne vont pas tout à fait confirmer ce que dit ma voisine de gauche, avec des personnes dont on pense qu'ils sont dans une vitalité qui n'a pas changé, que l'âge n'a rien changé à leur quotidien, et Hold Up en est un bon exemple, puisque vous avez, moi je connais plein de dames de chez Hold Up maintenant qui ont plus d'énergie que moi et qui ont beaucoup plus d'occupation que moi. Donc la première case, c'est la vitalité et que la vieillesse n'a pas l'air d'avoir de poids. L'autre catégorie, c'est des gens qui sont très jaloux de leur autonomie non pas physique, mais leur autonomie en sens de continuer à vouloir faire ses choix soi-même. Et on peut différencier plusieurs personnes. Il y a des gens qui aiment être dans la maîtrise, dans une certaine maîtrise des choses. On a vu une dame qui est suivie par... enfin, qui était à l'époque suivie par Daphna et ses équipes, et qui restait dans son studio, toute seule, elle était dépendante pour tous les gestes de la vie courante, donc elle avait besoin de plusieurs passages par jour, et elle, ça lui convenait. Elle, ce qu'il lui fallait, c'était cet équilibre, c'était de rester dans son cocon, et de continuer à avoir la maîtrise des choses, des gens qui viennent, et de savoir ce qui va lui arriver. Et du coup, y en a d'autres qui sont plutôt dans un esprit d'autonomie, liberté, de se dire, mais moi, je décide, je fais tout par moi-même, alors eux, vous ne pouvez rien leur faire entendre. Et puis, ça, voilà, vous ne savez pas comment ça va finir, comment ça va évoluer, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des gens qui sont très autonomes, dans le sens qu'ils veulent rester indépendants. Et par exemple, eux, c'est assez contre-intuitif, mais on a l'impression que... Il serait potentiellement capable d'accepter des aides, voire même une institutionnalisation, pour garder une certaine forme d'indépendance. Le troisième groupe, après la vitalité et l'autonomie, il y a ceux qui sont dans le relationnel. Et beaucoup, en fait, sont des personnes qui ont toujours été dans le relationnel dans leur vie, mais pas que. Et ce relationnel, il est très étonnant parce qu'on a notamment à Paris beaucoup de vieilles personnes qui sont assez isolées pour le coup et qui ont reconstruit une relation avec leur concierge, par exemple, et ou avec leur aide à domicile et avec des relations extrêmement fortes. Enfin, la dernière catégorie, si je puis dire, ce sont des gens qui sont dans le retrait et qui n'attendent qu'à mourir. Alors on était aussi étonnés parce qu'on pensait qu'on allait en avoir beaucoup. Qui allait nous dire, moi, la vieillesse, c'est pas drôle, et donc je voudrais une pilule pour en finir. Et en fait, ça a été extrêmement rare, les personnes qui nous ont parlé de l'aide active à mourir. Et cette catégorie du retrait, en fait, elle est pas très fréquente dans ceux qu'on a rencontrés. Mais elle existe quand même. Et on en conclut que les politiques publiques aujourd'hui, ou le regard qu'on peut avoir autour de se vieillir chez soi, il est donc moins lié à un lieu, mais plus lié à une façon de vivre, on va dire. Et que on pense qu'il serait plutôt intéressant de partir de là, individuellement. Alors peut-être qu'il y a d'autres catégories que ce qu'on vient de dire, hein, mais que ceux qui sont dans le relationnel, et leur envoyer ma voisine. Ceux qui sont dans une certaine forme d'autonomie et de maîtrise, de leur préserver cette vie, quelque part peut-être isolée, qui nous semble isolée, mais en tout cas qui leur permet, eux, de trouver, de garder leur caractère et leur façon de vivre. Et puis sans oublier aussi ceux qui sont dans le retrait et qu'il faudrait peut-être mieux aider et mieux accompagner à mourir. Voilà ce que j'avais à vous raconter.
Merci Nicolas. Et moi, je finirai juste sur une toute petite histoire de dames. Je sais pas, c'est souvent des dames qu'on accompagne, hein, mais c'est des messieurs, mais en tout cas de deux dames qui m'avaient vraiment beaucoup étonnée parce que je les trouvais plutôt en forme. Et voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas de difficulté à ce qu'elles restent chez elles. Et puis elles m'ont dit, mais moi, je m'en vais en EHPAD parce que je m'ennuie à mourir chez moi. Et donc, il y a des gens, et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas du tout diaboliser l'EHPAD. Il faut être dans le choix de chacun. C'est-à-dire, le sujet, ce n'est pas de fermer les EHPAD pour qu'il n'y ait que du domicile, c'est de toujours permettre aux gens de pouvoir être dans leur propre choix. Et je vous invite maintenant à réagir à tous nos propos. Donnez la définition de béguinage. Ah oui, merci. Tu peux, Stéphanie, nous dire ce que c'est du béguinage et je vais apporter le béguinage, en fait, c'est une forme d'habitat partagé, en fait. Voilà. Ça peut être un béguinage solidaire. On a eu d'ailleurs une intervention hier. C'est vraiment en fait des habitats collectifs qui sont dédiés en fait, en effet, qui peuvent être dédiés en fait à des personnes âgées en fait. Mais on est sur ce principe-là d'habitat partagé où vous avez votre espace privatif dont parlait Madame et il peut y avoir en effet des espaces en fait de lieux communs. Ben voilà, ça vient des béguines. Hein. Dans le lot des habitats participatifs en fait. Ouais, dans le lot des habitats participatifs, c'est que du coup, c'est plutôt en fait des communautés. C'est des gens qui partagent les mêmes valeurs ou la même façon de vivre et qui du coup décident de vieillir ensemble, comme effectivement les bonnes sœurs et les béguines à l'époque. Oui. Bon, Fabienne Chirouleux, adhérente hold-up et animatrice. Donc, j'ai deux observations et une question. La première observation, c'est que selon moi, il n'existe pas de modèle idéal. C'est-à-dire que j'ai été témoin de trois expériences très malheureuses en habitat partagé, où deux personnes n'arrivaient pas à partir et sont finalement parties ruinées, puisque le modèle était une coopérative et qu'elles n'avaient plus d'argent. Et une troisième personne qui était désespérée psychologiquement, puisqu'on l'avait mise dehors en quelque sorte. Puisque dans certains habitats partagés, il ne suffit pas de s'assembler. On croit qu'on a les mêmes valeurs, mais l'expérience est terrible après. Bon, l'EHPAD, on sait que qu'il soit public ou privé, ce n'est pas l'idéal. Et ce que vous appelez ensuite vieillir seul chez soi, vous parlez de solitude et d'isolement, et ce n'est pas l'idéal non plus, mais M. Fourreur a répondu à mes questions. La deuxième observation, c'est étant adhérente d'Hold-Up, finalement, je n'approuve pas trop cette appellation, les vieux debout. Bon, mon ancien métier, c'était psychologue et je n'approuve pas le positivisme. Et ni quand vous dites vivre chez soi, avoir le goût des autres, et ben, y a des personnes qui ne peuvent pas avoir le goût des autres. C'est comme ça. Leur histoire personnelle ne leur a pas permis d'avoir le goût des autres. Ça ne les empêche pas d'avoir un bon lien avec le facteur, ce que vous avez dit, enfin certaines personnes qui les entourent. Et la troisième question, je m'adresse à vous en tant que professionnelle, je n'y connais rien et je ne comprends pas ce qu'est un auxiliaire de vie, ce qu'est une aide à domicile et j'aimerais que vous décriviez, si vous aviez le temps, une journée type. Puisque j'ai une amie, par exemple, auxiliaire de vie, bon, quelqu'un lui frotte le dos, la douche, l'amène en promenade, mais elle semble me dire que c'est la personne qui devrait lui faire le ménage. Enfin, il y a tout un tas dans l'humanité, et c'est très bien, de personnes qui ont comme ça des fonctions, et je n'arrive pas à me retrouver là-dedans. Bon, du coup, merci de votre intervention. La question est pour moi, je pense. Donc moi, je dirige un service d'aide à domicile qui est composé de 170 auxiliaires de vie. Alors, on les appelle les aides à domicile aussi, si ça marche. Il ne faut pas les appeler les aides ménagères. Ça, voilà, c'est pas des dames de compagnie. C'est pas. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles accompagnent, elles soutiennent les personnes dans tous les gestes de la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement pour les personnes... en plus, c'est pas seulement pour les personnes âgées, mais en fait, en réalité, c'est pas du tout pour les personnes âgées. Je m'explique. En fait, les personnes âgées qui ont besoin de nous, c'est parce qu'elles sont en situation de handicap. Et nos politiques sociales font que aujourd'hui, vous avez un pépin de la vie avant 60 ans,
et vous avez besoin d'être aidé, soutenu, voilà, et ben vous dépendez de la prestation compensatrice du handicap, et là, vous avez beaucoup d'heures. Mais si le même pépin de la vie vous arrive après 60 ans, à 60 ans et demi, vous dépendez de l'allocation personnalisée d'autonomie, et vous êtes vieux, vous n'êtes plus malade, vous n'êtes plus handicapé, et donc il y a beaucoup moins de temps qui vous est alloué. Mais en fait, les auxiliaires de vie, c'est d'abord et avant tout pour soutenir les gens qu'on, voilà, ou un handicap ou une maladie qui les fragilise et qui fait qu'ils ne peuvent plus. Alors, donc elles font tout un tas de choses. Effectivement, pourquoi les gens les appellent les femmes de ménage ? Parce qu'elles entretiennent, elles assurent l'entretien courant du domicile. Mais si c'était que ça, bah, on ferait venir une femme de ménage. Elles font bien d'autres choses. Elles le font avec, normalement, avec les gens, quand c'est encore possible, pour garder l'autonomie des gens. Et puis, elles aident, elles accompagnent la préparation des repas, la prise des repas, l'aide à la toilette, l'organisation, voilà, prendre rendez-vous chez le coiffeur si la personne ne peut plus le faire seule. Vous voyez ? Et alors, il y a une dimension de prévention, normalement, pour garder les gens le plus en bonne santé possible, qu'elles ne peuvent pas vraiment réaliser vu le peu de temps qui leur sont alloués, ainsi que le lien. Oh, non, mais allez, il faut juste peut-être une réaction encore. J'espère. Mais on peut papoter. Je serai en bas en train de signer mon bouquin. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Je viendrai vous parler. Alors, aide à domicile et auxiliaire de vie, et elles font de l'aide à la personne. Et les services de la... Oui, alors, il y a la grande famille des services d'aide à la personne, que sont tous les gens qui viennent à domicile, la garde d'enfants. Non, ce n'est pas une histoire de statut. Ce n'est pas du tout une histoire de statut. C'est une histoire que ce n'est pas la même législation. On dépend du médico-social. Les aides à domicile, tout statut confondu. Vous voyez, moi, je suis une entreprise solidaire d'utilité sociale. D'autres sont entreprises classiques, d'autres sont associatifs. Mais comme on s'occupe de personnes fragiles, nous sommes des services médico-sociaux. C'est ça. C'est l'aide à domicile, le bon mot. Je vous invite, on va devoir s'arrêter. Je suis vraiment désolée. Moi, je reste en bas, au niveau du truc littéraire. Et on peut encore repapoter et échanger. Merci beaucoup.